Vous avez l'air de passer un moment très agréable toutes les deux, n'est-ce pas, Willy? Qui est ton amie? Ah, elle s'appelle Daisy. Je suis enchanté de te rencontrer, Daisy. Bien, bonjour, Martien Grognon. Tu es venu prendre le thé avec Ellie et Daisy? C'est la vérité, Pocoyo. Le Martien Grognon a kidnappé Daisy. Attention! Oh non! Je crois que tu as perdu, Pocoyo. Oui, cette coupe est très jolie, mais n'oublie pas ta mission. Oh là là, comment vas-tu faire pour passer de l'autre côté? Pocoyo, regarde! Attrape la pièce au-dessus de toi! Bravo, Pocoyo! Tu as réussi ce niveau! Pocoyo, regarde! Une clé! Peut-être que si tu réussis à endormir Dodo l'oiseau... Pocoyo, cette berceuse est horrible. Je crois que tu devrais demander de l'aide à quelqu'un. Cours, Pocoyo! Vite, pendant que la porte est ouverte! Surtout, sois prudent! Ce niveau a l'air difficile! Prends-moi tout de suite, Daisy. Oh.
Pocoyo, tu peux encore demander de l'aide à une personne, tu te souviens? Super, tu as réussi. Oh non, la machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur. Il faut absolument le sortir de là. Petite chenille, aide-nous à libérer Pato. Dès que Pocoyo nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge pour libérer nos amis prisonniers dans la machine. Bien joué, les amis! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Pato. Mais... Oh, mais cet univers est immense. On ne le retrouvera jamais. Oh, le voilà. Oh non, il est poursuivi par le virus. Cours, Pato, cours! Le virus, il a éclaté en 1000 morceaux. Oh non, regardez, il est en train de se reconstituer. Qu'est-ce que tu dis, Pocoyo? Oh, tu as raison. C'est le moment de faire signe à Petite Chenille. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Petite Chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure? Tant mieux. Alors maintenant, appuie sur le bouton. Non, non, concentre-toi, Petite Chenille. C'est vraiment très important. Tu dois appuyer sur le bouton. Non, Petite Chenille, pas celui-là! Tu dois appuyer sur le bouton rouge, celui qui est sous la flèche noire. Non, Petite Chenille, concentre-toi, s'il te plaît! Allez, Petite Chenille, appuie sur le gros bouton, le bouton rouge! Voilà, c'est ça, le rouge! Non, non, Petite Chenille, tu dois appuyer sur le bouton maintenant! Non, mais, Petite Chenille, nos amis comptent sur nous. On doit les délivrer. Ouf, il était temps. Oh, quelle aventure palpitante, n'est-ce pas? Oh, le virus, il est toujours là.
Pocoyo, ce spectacle est incroyable. Oh, j'ai vraiment eu très peur cette fois. Mais dis-moi, qui est-ce qui faisait bouger les squelettes? C'est Nina. C'est vrai, Nina? C'est toi qui faisais bouger les marionnettes? Pocoyo. Pocoyo? Mais alors, si ce n'est pas toi, Pocoyo, et si ce n'est pas toi non plus, Nina, qui faisait bouger les... Oh, j'ai très, très peur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai compris! C'est la troupe de théâtre ambulante des frères Chihuahua. Pièce de théâtre, fête d'anniversaire, baptême, enterrement. La carte qu'ils t'ont donnée, c'est leur carte de visite. Et ce numéro de danse fait partie de leur répertoire. Ah, j'ai l'impression que les comédiens doivent partir. Le spectacle doit continuer. Oui, mais loin, très loin. Méchant monstre. Oh là là! Il est vraiment gigantesque, ce robot. Super Pocoyo. J'ai l'impression que le méchant robot est en train de gagner. Gentil robot.